Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le 12e épisode du Let's Play sur Far Cry 5. On va donc continuer avec, j'ai l'impression, des trucs à tout va. Il y a de l'avion, il y a des ennemis là qui passent au calme, mais nous ce qui nous intéresse c'est cet indice pour commencer l'épisode. Alors qu'est-ce que tu vas bien m'indiquer toi ? Une espèce de docteur de découvrir ce que Jacob a fait au loup. Pas si cette ouais, mais ça, encore une fois, de toute façon, c'est assez loin. Ce sera pas pour tout de suite. Docteur Sarah Perkins. Encore un docteur, décidément. Alors, cette fois-ci, j'espère qu'elle va pas me demander de chasser, mais je sais très bien que non, vu que je me souviens de sa quête. Mais très bien, bon, ça au moins, c'est indiqué. Ouais, on va faire des achats, parce que déjà, bon, bah, l'arc, dans l'instant T, là, il va pas me servir à grand-chose. Donc, je vais récupérer mon petit sniper. Tranquillement, parce que bon, l'ours noir, bah voilà quoi, hein, l'ours noir, malheureusement, il va falloir qu'il soit patient de son côté. Alors, mon sniper, il est où? Bah oui, il faut au moins que je le retrouve, quoi. Il est là, le MBP50, donc à la place de l'arc, oui, bien évidemment. Bah d'ailleurs, maintenant, je peux acheter des accessoires dessus, quand j'y pense, bah oui. Hop, j'ai un peu plus d'argent, en ayant fait un peu plus de quêtes. N'empêche, recharger pour les munitions, ça coûte pas très cher, mais les accessoires, eux, au contraire, ils coûtent bien cher. Est-ce que du coup, sur la bateau, je crois pas que je l'avais full équipé hein, non plus. Je crois pas. C'était la M... Ah, mais quoique, c'était la M60, du coup... Non, c'est bon, elle était full équipée déjà. Très bien. Bon, du coup, pour ça, c'est bon. Munitions, peut-être, quand même, oui. Je vois également que j'ai 5 points de compétence. Attends, 5 points de compétence. Normalement, il y a de quoi faire de bonnes choses avec. Si je me trompe pas de touche. Alors, 5 points de compétence. Bah, c'est à peu près les mêmes choses qu'il y avait avant, en fait. Hein. Mais bon, en même temps, si je débloque pas ça... Ouais, non, je peux économiser. Ouais, on va économiser. Du coup, programme de cet épisode. Il est déjà tout fait. Donc, on va déjà aller voir la Guy Marvel. Il a plus d'une quête, je crois, à nous proposer. Donc, on va faire ça. Donc, Guy Marvel, c'est c'est celui qui s'occupe... de Far Cry Blood Dragon, hein. Vous allez voir ça de toute façon. Après, bah, je peux voir qu'également on a un avant-poste ici, donc pourquoi pas en profiter pour le faire. Ce sera l'avant-dernier. Et bah, pour alors peut-être que la jauge elle sera à son maximum. De toute façon, là, le but c'est qu'on finisse la région de Faith dans le prochain épisode. Normalement, ça se fera, il n'y a pas grand-chose en point de réputation. Et ouais, le dernier avant-poste il est là, bah, où se trouve justement Marina Drumman. Donc, faudra voir pour ça, faudra voir, ouais. Ainsi qu'après, bon, on a également la taxidermie de Pépèche pour récupérer... bah, Pépèche, hein, je crois qu'il s'appelle comme ça, tout simplement. Ouais, tiens, attends, on irait pas en tracteur pour Guy Marvel, faut juste que je mette le point. Mais je pense que oui, en faisant tout ça, ce sera déjà assez pour finir la région de Faith. Et comme je l'ai dit, après, une fois qu'on aura fini le scénario, en gros, de cette région, on continuera, mais pour faire tout ce qui est secondaire. Donc, faudra tout maxer, c'est-à-dire faire toutes les quêtes, tous les quêtes de survivalistes... Et avec ça, bon, c'est à peu près tout. En somme, oui, normalement, oui, c'est à peu près tout. J'ai peut-être oublié quelque chose, mais voilà. Ce sera un peu le but après. Mais pour alors, j'aurai quand même pas mal de mon côté, histoire de découvrir déjà la carte. Ah si, il faudra faire aussi les lieux à détruire, là. Vous voyez de quoi je parle, hein. je suppose, en tout cas, je suppose. Bon, tracteur, c'est pas très rapide, mais au moins, s'il y a quelqu'un qui passe devant moi, là, bah, il se fait ratiboiser. Il y a un certain bon point là-dessus. De toute façon, vu que la destination n'est pas très loin, c'est pas très embêtant d'être aussi lent. C'est bien de pouvoir tout défricher comme ça, non? Moi, j'aime bien, c'est un bon principe. En plus, je crois qu'on a un trophée, c'est tuer un certain nombre d'ennemis avec ce tracteur, justement. Je crois qu'on a un trophée comme ça, genre peut-être tuer 10 ennemis, un truc dans le genre. Bon, de toute façon, vu que je suis sur mon compte Mega Oasis, les trophées, je m'en fous un peu. Hein, je les ai déjà obtenus sur le compte Mega Fanta. Mon compte principal, donc au pire, hein, vous savez, ça me fait une belle jambe de les débloquer ou non. Donc, Guy Marvel, je crois qu'il a deux quêtes hein, pour nous. Ça également, ça faisait partie des dernières quêtes que j'avais fait. Bah, je crois que c'était même la dernière quête vu que j'avais eu du mal à la trouver celle-ci. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc, il est là, Guy Marvel. Ah, lui, c'est un sacré personnage, vous allez voir. Allez vous faire foutre. Hey, oh, vous êtes calme. Vous voulez bosser sur un film? Bien sûr que oui. Vous êtes la solution à tous mes problèmes. Un classique. L'anonyme d'un trou perdu, toi, débarque juste à temps pour sauver un auteur mondialement connu, Guy Marvel, ton serviteur. Ça fait 4 ans que mon film, mon chef-d'œuvre, est sur les rails et je refuse de le laisser gâcher par des béotiens dénués de tout talent cinématographique.
Vous savez combien de prix Blood Dragon 3 va gagner si on arrive à tourner ce putain de chef-d'œuvre? Le 2 n'est même pas sorti. Le 2 n'est pas sorti. C'est pas possible. Ce putain de pays est une usine à boucan et que j'ai besoin du silence absolu pour tourner cette scène. Jouez la star, d'accord? Mon assistant va vous mettre au jus. J'ai besoin de réfléchir un peu à mon génie. Voilà, silence, ça tourne. Là, je crois qu'il va falloir tuer des anges, justement, parce que ça klaxonne et tout. Et bref, pour laisser, justement, le plateau de tournage tranquille. Là, regardez cette belle référence. Far Cry 3, Blood Dragon. L'affiche officielle, en plus. Hein. Alors, parlez au premier assistant. Ouais, c'est une histoire de klaxon et que les anges, hein, si je me souviens bien. Venez ici. Écoutez, je suis pas l'assistant. Je suis juste l'ingénieur du son. Ah, bah. Mais c'est sûr que c'est gênant, non, les klaxons pour le son. Son idée de génie, c'est de tourner une scène de film muet, mais sans couper le son. Vous vous doutez que ça se passe pas super bien. Du bruit dans le Montana sauvage. Un peu compliqué. Qui l'eût cru ? Il y a beaucoup trop de bruit ici. C'est un génie, ce Guy Marvel, hein. C'est de faire taire ce bruit. Par tous les moyens. Vous entendez ce klaxon ? C'est ce genre de conneries qu'il faut empêcher. Faites ce qu'il faut pour stopper ça. Alors les gars, on va faire un film muet, mais nuance, on va pas couper le son, hein. On laisse tous les sons. Mais il faut faire en sorte qu'on n'entende rien. Voilà, tel est notre objectif. C'est quand même du génie, non? On est d'accord. C'est tellement du génie. Détruisez le camion qui klaxonne. On a des anges, hein, normalement. Alors là, c'est pas des anges, mais je crois qu'il va y avoir des anges après. Ouais, sauf que moi, j'ai jeté toutes mes grenades la dernière fois pour l'autre truc que j'ai pas réussi à détruire au final d'ailleurs, hein, quel échec. What? J'ai pris cher, là? Comment j'ai pris aussi cher? J'étais peut-être pas full life. Le problème c'est que j'ai plus de soins. Bah je vais mourir, hein. It's un échec parmi tant d'échecs, hein. Un échec parmi tant d'autres. Alors toi non, tu vas pas me la faire par contre. C'est quand je récupère de la vie là. Ah merci, ça commence, c'est bon. Bon, on va détruire ça. Je suis pas sûr que ce soit le seul 4x4 qui klaxonne. Seul véhicule d'ailleurs qui klaxonne. Je suis pas convaincu. Ça a pas détruit ? C'est quoi cette dynamite en carton qu'on m'a fourni là? Oh putain de merde, en plus ça explose. Sécuriser la zone pour cesser les bruits. Ah oui, bah c'est sûr que si on commence à tirer, ça va faire du bruit. Enfin moi j'ai un silencieux, hein, j'ai prévu le coup. Je suis quand même là pour travailler pour eux, donc j'ai équipé mon petit silencieux, tu vois, mais c'est pas leur corps, hein. Donc j'aurais dû par contre penser, ouais, acheter des kits de soins, mais j'avais pas vu que j'en ai plus. Parce que bon, dans les autres Far Cry, c'est pas gênant. Quand t'as plus de soins, bah tu te soignes à l'arrache comme je le faisais la plupart du temps. Sauf que là, bah là, t'as pas de soins, tu peux rien faire. Hein. Il faut que la vie se régène toute seule. Elle prend quand même un certain temps. Même si, je crois qu'on a des compétences pour booster la régène. On a une... Oh merde, on a une autre zone, ah oui. Oui, c'est bien ce que je pensais, hein. C'était trop simple s'il y en avait qu'une seule. Fallait bien une deuxième, voire même après une troisième peut-être zone. Qui sait? Et dynamite, c'est pas terrible, donc on va peut-être aller en... Bah, pas explosif à proximité, non. Ouais, explosif télécommandé, oui, oui. Pourquoi j'ai plus de grenades? Ça, c'est triste, hein, quand même. Vous vous rendez compte le niveau de tristesse qu'on vient d'atteindre? Hop. Alors. Ah bah, en plus, il y a quelqu'un qui a un indice, là. Ne la tuez pas! Ah, mais il y a des alliés, du coup. Nice. Ah oui, mais là, ok, il n'y a pas d'histoire de klaxon, il y a juste des ennemis. Ça va, alors. Du coup, je crois que je me suis fourboyé. Je crois que je me suis mal souvenu. Il n'y a pas d'ange. Pas pour l'instant, en tout cas. Hein. Donc ça, c'est bon. Est-ce qu'on a une troisième zone? Mais oui, le triptyque. Faut toujours trois zones. C'est un classique. Ah bah, quoique, peut-être pas cette fois. Retournez voir Dean. Dean, l'ingénieur son. Ouais, mais même avec ça, il y aura sûrement encore du son. Hein. Moi, je vous propose de tout couper. Hein. Ah bah, non, j'avais raison. Non, j'ai rien dit. Des camions... Ah bah voilà, camion à musique, ange. Ah bah, j'avais pas totalement tort. Hey. J'avais pas totalement tort. Par contre, regardez qui est là. Un super tracteur. Un tracteur tronçonneur. Mais est-ce qu'ils sont là exprès pour gâcher le film? Je me pose la question quand même. Hein. Oh yes, on peut prendre la moissonneuse batteuse au bas. Oh bah tu me le dis pas deux fois ça. Hein. Alors pour moi c'est pas une moissonneuse batteuse, après dans les faits c'est un tracteur juste avec l'équipement sur le pare-choc, quoi, le bon équipement sur le pare-choc, mais ouais ok. Moissonneuse batteuse c'est devant c'est un peu plus imposant, quoi, là je trouve que c'est pas assez. Après je suis pas un grand connaisseur de moissonneuse batteuse, hein, vous doutez bien.
Ah bah j'ai obtenu le trophée, tiens, fertilisation, bah c'était sûrement 5,5 alors qu'il fallait éliminer. Ils sont nombreux quand même. Ils sont un peu chiants, faut manœuvrer. Bon, par contre ils explosent bien, hein. Je le certifie ça. Ils explosent même très bien. Ah, il y a un autre véhicule. Non mais de toute façon il reste encore des anges. Hein. Est-ce que ça aurait pas été plus rapide si je l'avais fait en mode bah, batteuse? Je pense que oui, mais ça aurait pas été aussi satisfaisant. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Eh ben je crois que c'est bon, je crois que c'est bon. Alors il m'a pas validé le truc sécurisation de zone, mais ça je pense c'est une fois que justement j'aurais... Ah bah quoi que non. Je veux dire une fois que j'aurais détruit le véhicule, mais non, il y en a d'autres qui arrivent. Bon bah vas-y, ceux-là on va les faire à l'arme. Mais il y a encore un camion? Ah oui, bah ok, ça arrive encore. Ah bah je comprends du coup peut-être pourquoi il nous dit d'aller à la moissonneuse, parce qu'en fait il y a tellement d'ennemis que... C'est du gâchis de munitions là. C'est du gros gros gâchis de munitions. Et moi j'ai plus d'explosifs. Bon, c'est pas grave, de toute façon je retournerai acheter mes petites munes s'il le faut. Ouais, regarde combien ils sont là-bas là. Ouais, au pire, moi j'en ai marre du gâchis de munitions, je propose de passer à la solution ultime. Voilà, hein, c'est quand même mieux, on est d'accord. Allez, parlez à Guy. Et oui, du coup, la deuxième quête, c'est dans la grotte, normalement. Parce que là, les portes sont fermées, hein, mais on va pouvoir y aller. Donc ça va être ça, la deuxième quête. Alors, je suis pas sûr, après, qu'on peut vraiment l'enchaîner direct. Peut-être qu'il faudra attendre un petit temps, je sais pas, on va voir. Alors, t'es content? Il y a encore du bruit, hein. Vous auriez deux, trois trucs à apprendre à ces minables d'Hollywood, vraiment. Cette férocité dans l'action, intense, effrayante. Plus ou moins chié dans mon froc. Oula, je veux pas en savoir. L'heure est venue de laisser s'exprimer tout mon talent. Blood Dragon 3 va être un vrai chef. Mais il est passé où le 2? On l'a pas vu. Je peux pas retourner bosser sur des merdes comme Far Cry. Je préfère me planter les couilles dans un étau plutôt que de devoir écouter l'avis du premier plouc sur la construction d'univers, la motivation. Ça c'est bien l'autodérision. De crever, hein, vous pouvez me croire. Oh, et j'étais pas sérieux tout à l'heure. Le plateau est fermé. Foutez le camp d'ici. Mais le plateau, on va pouvoir y aller. Sur le plateau à l'intérieur, hein. On va pouvoir y aller pour une prochaine quête, mais du coup, c'est pas tout de suite. Faut attendre. Et on a la tenue Omega, qui n'est pas celle de Fortnite. Vous vous doutez bien, bien entendu. Oui, oui, c'est pas étonnant. Mais voilà. On a une tenue Omega, mais je la mettrai pas. Elle est pas très très belle. En tout cas, selon moi. Bon, bah lui. Guy Marvel, t'es sûr que tu veux pas enchaîner avec deuxième quête? Parce que je sais que t'as une autre quête. Je suis prolifique, ok? J'ai tout fait. Tout fait, trois. Ah, sacré Guy Marvel. Tu vas nous faire patienter. Bah, bah du coup, direction avant-poste, hein. Il n'y a pas d'autre option. J'en déduis ça. Je suis bon, du coup, là, l'avant-poste, il est pas très très loin. Alors, je suis peut-être plus trop chaud maintenant pour aller en tracteur. Parce que, bah, c'est assez lent, quand même. Ouais, 600 mètres en tracteur, ouais, je suis pas ultra chaud, hein, mais là, c'est le seul véhicule à ma portée, donc je vais quand même aller en tracteur et je vais peut-être trouver mieux en chemin, hein, on va dire ça. Mais ouais, là, du coup, ce qui serait terrible, c'est le cas de le dire, c'est, ouais, de réussir à la fin de cet épisode à remplir la jauge au maximum, quoi. Ou alors à très très peu, quoi, qu'il reste très très peu. Comme ça, le prochain épisode sera entièrement consacré à la fin du scénario de Face. Sachant que ça peut durer, ouais, une bonne demi-heure, donc c'est pour ça que vaut mieux que ce soit consacré dans un épisode. Donc, normalement c'est possible, hein, parce que là, attends, il reste combien d'XP, enfin de réputation? Ouais, en arrondissant, tu vois, il en reste 1000, quoi. Bon, 1050, là, du coup, exactement. Je sais plus combien c'est en avant-poste, mais c'est peut-être dans les 500, un truc comme ça. Normalement, ça le fait, hein. À la fin de cet épisode, on sera bien. Peut-être vaut mieux garder un peu de réputation, parce que le problème, c'est que... on va direct me kidnapper. Là, je pense qu'ils vont pas prendre leur temps, cette fois-ci. Kidnapping, il va direct intervenir. Bon, si on peut patienter peut-être un peu et garder un peu de réputation pour le début du prochain épisode, c'est peut-être mieux comme ça, à vrai dire. Oh putain, il y a un bison par contre, j'ai envie de le... Ouf, j'ai envie de le ratatiner. C'est pas un ours noir. Et attends, mais je rêve ou il fait ce que je pense? Ah non, il fait vraiment ce que je pense. Ah mais c'est un faux. Oui, c'était un faux. Ouais, parce que en vrai bison, il s'arrête comme ça sur la route pour tranquille pépère. Non, hein. J'y crois moyen, c'est pas vraiment véridique tout ça. Mais l'avion, tu vas me lâcher. Quelque temps, tu me feras plus chier, hein, quand j'aurai libéré la zone. Hein. Il n'y aura plus d'avion pour alors. Bon, tu reviendras dans les autres zones une fois qu'elles sont assez avancées, mais... Ce sera dans quelques épisodes, j'aurai le temps de... Oh, merde. De me remettre un peu bien. Le problème, en plus, c'est que j'approche de l'avant-poste, si je commence à me tirer dessus comme ça...
On sait tous comment ça va se passer, je vais me faire griller alors que j'ai même pas commencé à rentrer dans l'avant-poste. Ça c'est terrible. Oh, il y a un cage survivaliste à 200 mètres, bah, limite on pourra faire ça après. On pourra limite faire ça après, parce que je pense que le dernier avant-poste on le fera sûrement après avoir fait la région de Face. Parce que là il est un peu trop loin, et en plus bon il y a Marina Drumman, donc la mère de Herc qui va avec, donc c'est pas super bien adapté tu vois. Je vais vraiment me faire griller parce que... on va rien dire. Hein. Alors, donc là on est hôtel, un hôtel, l'hôtel King's Hot Springs. Putain, Hot Springs c'est comme dans Days Gone. Même si bah Far Cry est sorti avant. Hein. Ok. Ah oui, c'est le camp de Hot Springs dans Days Gone. Qui est également à côté de sources chaudes. Ouais, bah du coup, c'est logique, hein. Oui, bah oui. Tout à fait logique. Bon, la deuxième alarme, ça va aller normalement. Ouais, quoi que, attends. Il y a l'avion là, non? J'entends un truc dans le ciel, hein. Ok. Putain, heureusement qu'on voit à travers comme ça. Et ça touche. Parfait. Bon, bah on va pouvoir maintenant tranquillement tuer les ennemis. Sans avoir la crainte d'avoir des renforts. Alors lui là qui vide tout là, il vide ses déchets dans cette belle eau chaude, ça va pas. Dans ces sources chaudes, non, rien, ça va pas du tout. Ok, bah moins 2. Je me demande, tiens, je me pose une question. Est-ce que vous pensez que le pistolet laser est silencieux? Genre je tue quelqu'un, est-ce que c'est silencieux ou non? Moi je pense que c'est une question existentielle à ce niveau là. Hein. C'est vraiment une question que tout le monde devrait se poser. Putain, il est cher direct, hein. Autant lui low pompe aussi au corps à corps, ça fait mal. Ah, mais ça va, en fait, je suis mid-life. Donc tu penses que tu prends plein de dégâts, mais pas vraiment. Révolutionnaire, ça aussi. Toi, tu vas mourir, hein. Voilà. Parfait. Alors, je gagne combien? Eh, surtout que là, aucune alarme détectée. Je sais pas si ça me gagne un bonus de réputation. Aucune idée. Aucune idée. Oh, sachant que là on est que à 17 minutes de vidéo, donc en vrai ouais c'est bon, ça passe tranquille pour que à la fin de cet épisode je sois arrivé au 13 000, c'est bien 13 000 hein, de réputation. Et bah parfait. Et on a une quête, donc 400, ouais, bon j'avais dit 500, on n'est pas à 100 près hein. Pas du tout même. Alors là déjà on a une carte hein. Sont ceux qui ont la foi verront là. Ouais, bon, je sais, c'est pour un jardin, voilà, sanctuaire. C'est vrai que par contre, j'ai oublié les derniers avant-postes, j'ai pas assez fouillé pour les lingots d'or. Et en même temps, c'est vrai que j'ai. Est-ce que j'ai la compétence d'ailleurs? Non, c'est pas hanté ça, Dutch. C'est vraiment que c'est hanté. Il y a un bruit assez sinistre, hein, mais c'est juste pour l'ambiance, c'est pas pour autre chose. Hop, ça c'est pour la région, ça c'est une lettre froissée, hein, je m'en fous un peu. Et là, on est du coup sur le toit. Qu'est-ce qu'on fout là? Je ne sais pas. Je sais absolument pas ce qu'on fout là. De toute façon, c'est vrai que les lingots, j'en ai pas vraiment besoin. Hein. Oui, j'en ai pas besoin du tout, donc c'est pas grave si je fouille pas bien. C'est même pas grave du tout. Du coup, bon, je vais parler à l'autre là qui va me donner un indice. Supplémentaire. Ah, mais d'ailleurs ici ça me fait vachement penser au camp Prosperity de Far Cry New Dawn. Bon, on verra ça quand on entamera Far Cry New Dawn dans un petit moment quand même. Ça me fait beaucoup penser avec la cheminée en plein milieu. Ouais, si. Moi bon, c'est pas le même endroit, je sais, mais ça fait penser à ça. D'ailleurs, je sais foutrement pas où il est le complexe Prosperity. Normalement, il est vers le complexe Prosperity. Normalement il est dans la région de jaune, mais bon, ouais, on en parlera ça quand on sera sur Far Cry New Dawn. Chaque chose en son temps. Alors, là je compte pas pour les White Tails. Toute aide est la bienvenue. Prends George par exemple. Il va sur ses 80 ans et c'est l'un de nos meilleurs guetteurs. Les White Tails, mais c'est pas ici, c'est dans la région de Jacob. Ici c'est des cougars. George Wilson du coup, ok. Voilà, région de Jacob. Oh là là, je suis étonné. Alors lui, quelle est sa quête? Tu vas sûrement pas me croire, mais il y a une espèce d'ours taré à Lydia's Cave. Quoi? La secte lui a filé de la drogue pour essayer d'en faire un. Ah bah, quand je vous disais qu'il y en avait un par zone, non. Ça a pas marché. On a le second mini-boss. C'est une bête vraiment vicieuse. Et ah ouais, déjà. On a envoyé des gens pour la tuer, mais personne n'est revenu. J'espère que t'auras la force d'éliminer cette saleté. Bon, oui. Avant qu'elle tue d'autres gens.
Ok, bah ça je m'y attendais pas, non, vraiment pour moi c'était une par zone, mais pas du tout. Donc juge et ours, ouais, c'est comme du coup pour le cougar là, exactement pareil, hein, sauf que c'est un ours. Donc c'est normalement un poil, je dirais juste un poil, hein, plus dangereux, mais pas grand chose, hein, faut pas s'inquiéter. Alors, c'est par où? Ah, c'est là? Oh, mais c'est pas si loin, hein. Eh bah tiens, j'ai une idée. On va aller faire le cache de survivaliste, vu que c'est sur le chemin, et après on ira faire du coup le juge ours. Comme il l'appelle dans le milieu. Ça me paraît être un bon programme. Et pour alors, bah clairement, vu que là on est à 12 350, à 12 350, oui, on sera bien en 13 000, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Il y a encore l'avion. Ah. Ah. Qu'est-ce que je devais faire en marchant déjà? Parce que j'avais dit que je devais faire un truc, non? Ah oui, les soins. Ah oui, surtout que si j'affronte un ours, bon, vaut mieux en avoir. Hein. Ce sera quand même bien utile. Est-ce que je peux lui acheter des soins? En fait, je suis même pas sûr. Si, dans objet, si, si, si. Même un gilet pare-balles pour vous dire. Non, mais on... Est-ce que c'est pratique d'avoir un gilet pare-balles contre un ours? Testons. Testons, pourquoi pas. Et après, bon, ça c'est la carte des fûts de whisky, donc c'est bon. Ok, bah parfait. On peut le prendre, le truc des cougars, là? Yes. Tu vois, contrairement au dernier épisode, celui-ci se déroule magnifiquement bien pour l'instant. Hein. L'autre, c'était catastrophique de A à Z. Là, j'ai l'impression que c'est un fil conducteur qui... Bah, qui continue comme ça et qui fait que du bon, quoi, que du positif. Alors eux par contre, je pense que nous devons prendre des moyens un peu plus incisifs pour détruire ce barrage. Autant dire, on prend le laser. Hein. Ah oui, ça gêne. Hein. Par contre, mais c'est moyen le fait que du coup j'utilise déjà mes bandages. C'est vraiment moyen. Ah bah attends, on a un camion ici. Camion. Ah mais on a un truc de... Attends. On a un truc de la secte à détruire ici? Ah non, c'est un bateau. Attends, on va lui mettre le feu, hein. Le feu au bateau, allez. Il y a là, des ennemis ici. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah ok, c'est l'un des bateaux, parfait. Alors j'étais pas sûr, je m'en doutais un peu, mais j'étais vraiment pas sûr, donc là au moins, bah... Ah c'est clair. Ah oui, ok. Alors je pensais que l'avion, par contre, je l'aurais pas si facilement. Non mais ouais, on est d'accord, l'avion il fait chier, donc c'est bon. Hein. Et là par contre, le camion qui était ici il a disparu. Pas grave. Mais ouais, l'avion il fait chier. Hein. Moi c'est bon, hein, j'en ai marre. Hein. On utilise les grands moyens là. Hein. Vous me faites chier avec votre avion. Surtout à si peu de RP d'en être débarrassé. Là c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase quoi. Par contre, je pense qu'en empruntant cette route, je vais pas vraiment être le plus rapide possible pour atteindre le cache. Ouais, non, je vais couper à travers champ. Hein. Oui, parce que là, ils vont me faire prendre une route. Dans 5 minutes, j'y suis toujours pas aussi bien. Hein. Sans exagérer, bien entendu. Alors, ça va être quoi du coup cette fois-ci? Est-ce que ça va être aussi simple que le coup du garage là, qui était beaucoup trop simple? Ouais, non, je vais quand même aller jusqu'à là-bas, parce que le problème, c'est que si je m'arrête avant, après, il faut retourner de toute façon à la fourgonnette. Je suis pas gagnant. Ok. Bon, là, c'est bon. Bon, on va pas trop en abuser, non plus, du... Hop. Du laser. Voilà. On utilise avec parcimonie. Dans les moments les plus utiles. Alors, c'est quoi? Ici, ça a l'air d'être une grotte, hein. C'est une grotte. Perspicace. Quiconque lit cette note, j'ai vu des fabrications des passagers d'ange mort en les déplaçant dans la crevasse en haut de la colline. Doit être possible d'utiliser le même chemin pour pénétrer dans leur grotte et voler l'équipement qui est planqué. Ok, la tombe de l'ange. Allez dans la Hornet Serpent Cave. Ok, c'est la grotte du serpent, attention. Donc là, du coup, il semblerait qu'on doit monter, c'est ça? Bon, je crois, hein. Montons, alors. Parce que bon, là, de toute façon, le grillage, c'est fermé, hein. Clairement fermé. Ok, 100 mètres. Alors ça, pour l'instant, ça me dit rien, mais ça va sûrement revenir, je pense. Il y a des ennemis, bien entendu, pour garder le trésor. Mais est-ce que eux, ils ont accès au trésor? Au moins, même pas sûr. Hein. Même pas sûr qu'ils aient accès au trésor. T'es gentil, toi. Ok, très bien. Ouais, c'est. Niveau ambiance, c'est pas mal par contre, tous ces cadavres. Ils sont nombreux, hein, très nombreux. Allez dans la cache. Pour l'instant, ça me dit pas grand chose, vaguement. Très très vaguement, je dirais. On va voir ça. Hein.
Ouais, on va faire une exploration de cave là, quoi. En gros. Et on descend. Je sais pas du tout où est le fond. Ça, c'est ici, ouais. Hop. Alors, d'instinct, je me dis que si je vais dans la loupe bouillante, là, ça va pas le faire du tout. On va éviter d'y aller. Je pense d'ailleurs que c'est fait exprès qu'on ait la possibilité comme ça de jump, hein. Voilà, hein, oui, effectivement, ça fait pas du bien du tout, hein. Oula. Vaut mieux pas que je rate mes jumps, moi. Déjà, je vais en récupérer. Parce que tu aimes bien que là, juste en mettant mon petit pied, j'ai perdu la moitié de ma vie. C'est brutal, hein. Hop. Bon, ça doit être par là, voilà. C'est stylé. C'est stylé. Ouais, ça, j'ai un peu un souvenir de cet endroit, oui, mais c'est vague, hein. Mais c'est très stylé. C'est un petit parcours, du coup, là. Hop, donc là, on va se balancer. De l'autre côté. Boing. Et boing. Ah oui, la chute par contre, hein. Enfin l'atterrissage. C'est dangereux, dis donc. Qui a eu l'idée de mettre un trésor ici? Alors oui, du coup, c'est sûr que c'est protégé, hein, mais quand tu veux récupérer ton trésor que t'as toi-même planqué, c'est un peu gênant, je trouve. C'est vraiment très gênant, même. Hop. Ah bah, il y a un sac à patates. Sac à patates. Vas-y, moi, je prends le sac à patates, hein. Miam, miam. Oh, c'est un sac de laitue en vrai. Bon. J'aurais pu le faire un sac à patates. Et là, je pense qu'on est arrivé. Il y a un peu moins d'eau bouillante, donc ça devrait le faire. Alors. Est-ce que ce serait pas ici? Bon, là, on est juste monté. Ah, si, tu vois, ça, il commence à y avoir des choses là. Alors, par contre, là. What the fuck? Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Oh, y'en a, ils ont gentiment traversé en fait, hein. Ouais, y a un chien. Oh putain. J'ai l'impression de me prendre des dégâts pour rien. En même temps, on peut améliorer sa vie, donc aussi là, je suis pas full life. Hein. Ok, bah je crois que c'est bon. Jackpot. Et on est là, on est de l'autre côté, ouais. Voilà, il y a le grillage, donc effectivement, c'est ça. Et bon, on récupère tout, prendre compétences, ça sera bien utile en plus. L'argent, on se met bien, nous. Et on va finir l'épisode en tuant du coup l'ours. Je sais même pas si ça donne d'ailleurs de la réputation de faire les cages de survivalistes. C'est pas sûr, ouais. C'est pas sûr du tout. Donc il restera peut-être un peu de réputation à la fin de cet épisode, hein. Parce que la quête, peut-être qu'elle va pas non plus me donner énormément, hein. Parce que là, attends, ça c'est monté ou pas? Ah oui, c'est monté. Bah, il faudrait que la quête m'offre 500. Je pense que c'est pas impossible, mais je sais pas. Je sais pas du tout si ça le fait ou pas. Hop, encore de l'argent un peu. Oui, c'est bien. Et bah alors, et maintenant c'est ouvert, tiens, comme par hasard, ça pouvait pas être ouvert directement. Ah oui, bah sinon forcément, hein, ça aurait pas vraiment été un cache survivaliste vu qu'il aurait été avec un accès direct, mais non, je sais pas. Moi je dis ça comme ça. Ah super, il y a une voiture, ce sera mieux comme que la camionnette aussi pour se déplacer. Bon, direction le mini-boss. Alors le mini-boss, bon, il est pas très loin, c'est juste qu'il est sur la montagne. Niveau accès, je pense que ça va pas non plus être très simple. Ouais. Attends, est-ce que c'est une bonne idée là d'ailleurs de suivre la route? Ça m'emmène où? Ah non, là pour le coup ça va. Même si bon, je pense que prendre ce sentier c'est peut-être plus... Ah quoique, pas forcément plus rapide. Non. Bon là on va suivre la route du coup. En gros, voilà. Et ah c'est vrai par contre, j'ai pas repris Sharky moi depuis. Bon, on le reprendra après, hein. Oui, ça peut être utile. Oh bah attends, je vais le reprendre direct aussi. Ouais, c'est aussi bien comme ça. Hop, Sharky, tu reviens. Est-ce qu'il spawn dans mon véhicule? Non. Oh, par contre, et 3200, hein. Mais ouais, comme je le disais un peu avant, là, la tournure de cet épisode est parfaite. Tout se passe merveilleusement bien. Aucun problème, aucun accro. Tout va bien. Par contre, faut pas que ça se contredise avec cette fin d'épisode, hein. Non, on va bien terminer, on va bien tuer l'ours. Et tout sera merveilleux. Bon, l'ours, après, je me doute quand même qu'il sera quand même plus... Ah, voilà, ok. On est à la quête de Guy Marvel. Il sera quand même plus costaud que le cougar. Du coup, ça, c'est parfait. Au moins, si j'ai pas assez de réputation avec cette quête, on ira faire celle de Guy Marvel. Surtout que je me souviens, elle est pas longue du tout. Et comme ça, on aura assez de réputation. Donc là, vraiment, comme je lui dis, c'est parfait tout ce qui se passe là, hein. Ok, et on arrive, bon, je vais continuer à pied, hein. Là, on va avoir quelques petits signaux pour dire que c'est pas bon d'avancer, c'est le danger, sûrement.
Je pense qu'on va nous faire dire ça, non? Genre des petits cadavres un peu partout. Un premier cadavre. La Lydia Cave. Bon là j'ai pas trop le souvenir de l'ours, on va voir ça de toute façon rapidement. Oh ben c'est sûr, s'ils mettent des barils de grâce comme ça, tu m'étonnes, le truc il est dopé après, hein. Bonjour. Il y a quelqu'un? Bonjour. Y a-t-il... Ah. Y a-t-il un ours? Oh non, il recommence ses TP. Et là, surtout, on n'a pas sa jauge de vie encore, donc... Ah, c'est bon. Ok, donc là, c'est le vrai. Ah, jusqu'à maintenant, c'était le faux. Sharky, lance-flamme, pompe, tout ce que tu veux. Car tout ça enflammé, surtout. Inflammé. Je galère. Est-ce que vous me per... Non, non, je vais pas le faire. J'allais dire, est-ce que je peux sortir... Je peux sortir, comment dire... Le pistolet laser, mais... C'est peut-être un peu trop, mais j'aurais aimé voir comment ça... Comment ça donnait. C'était bien efficace ou pas niveau baisse de vie, mais tant pis. Putain, mais il est retourné dans, au fond de sa grotte ou quoi là? Putain, il est où? Il est passé où l'ours? Ah, je l'entends en plus, hein. Mon petit ours brun là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais concrètement, petit ours brun? Ah, il est là. En fait, lui, il fait que retourner en arrière, il fait des backups. Bon, bah, petit ours brun. Voilà quoi, hein. Bah voilà, bah voilà. Ah oui, que 100 RP, effectivement, c'est rigrac, hein. Ouais, bah si Guy Marvel, c'est pareil, en fait, je m'en sortirais pas, hein. Bon, c'est déjà ça de prix, on va dire. Ok, parfait, parfait, parfait. Parfait, parfait. Bon, bah il était pas compliqué, en fait, comme le cougar, il n'y avait pas plus de difficultés. Bah du coup, prochaine fois, on retournera voir Guy Marvel. Yes, Guy Marvel. Il est où Guy Marvel là d'ailleurs? Je l'ai perdu. J'ai perdu Guy Marvel. Bah ben, normalement il est là, hein, mais là je sais pas. Attends, de toute façon au pire. Il y a le truc pour... De toute façon c'est au même endroit la quête, mais... Ah oui, mais c'est pas réaffiché, donc il faut que je retourne là-bas. Normalement attends. Guy Marvel il était... En principe il était là, hein. C'était à la mine de Radon là, non? Je crois que si. Hein. Bref, en tout cas, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. On se retrouve du coup bah, très très vite pour la suite. Normalement, si tout se passe bien, pour terminer la région de Face. Sur ce, bye tout le monde. Ouh, yeah. Qu'est-ce qui se passe encore? Eh, hop. Ça, c'est pour bien terminer l'épisode. Le petit chat qui spawn. Allez, là, on peut vraiment s'arrêter.